looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking. Et bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour. Je vais vous montrer mes petits cadeaux que j'ai eu à Noël. Voilà, si jamais ça vous, peut vous permettre d'avoir des idées pour offrir ou pour vous faire plaisir. Voilà. Je vais vous montrer ce que moi je me suis pris pour moi-même. Moi je me suis pris la collection de capsules. Aïe, je vais y arriver. De Noël, d'Ava. Du coup, c'est. Et j'ai eu droit à un petit godet d'or d'ailleurs. Celui-ci. C'était Tis. Attendez, faut pas que je dise de bêtises. J'ai toujours pas fait le nuancier. Tis, Skadi et Inga. Inga, Skadi et Tis. Tis, c'est un beau verre. Un verre de Noël, quoi. Un verre de Noël. Vous avez le Skadi qui est le petit pailleté qui va bien sur tout. Et le Inga qui est le rouge de Noël parfait. Voilà, il faut vraiment que je les swatch la collection de capsules. Parce que ben voilà, je suis fidèle à Ava. Je suis tellement ravie de ces aquarelles que voilà, je compte. Dès qu'il y en a qui sortent, je les prends. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu de la part de ma tasse d'amour les OUU pastel. Voilà, donc je vais pouvoir tester les feutres à alcool. Voilà, parce que j'en ai pas, j'ai les aquamarqueurs voilà, d'action, mais voilà, c'est pas des feutres à alcool. Donc je vais pouvoir tester ça. Hop, donc, merci ma chouchou. Je t'aime fort, je te l'ouvre. Donc voilà. Mes petits OUU que je vais maintenir allongés pour pas qu'ils s'abîment. Ensuite, de ma sœurette d'amour, j'ai reçu le tome 4 d'Artstopper parce que je me suis enfilé les 3 premiers en un temps record. Voilà. Du moment que j'ai regardé la série, enfin regardé, c'est vite dit, je l'ai regardé plusieurs fois déjà. Donc il fallait que je les lise. Donc voilà, dès à peine arrivé, je l'ai aussitôt dévoré celui-ci. Voilà. Hop, du coup il reste sur ma. Les 4 tomes restent sur ma table de chevet. Ensuite, Sœurette m'a pas pris que ça, hein, forcément. Elle m'a pris le petit carré boule de poils. Il était dans ma wish. Voilà. Les colos que je vois dedans, faits dedans, me donnaient envie. Et donc voilà. Il va falloir que je l'entame. Hein, de nouveau dans ma liste à entamer. Mais ouais. Ils sont tout mignons. Mais je trouve les tracés relativement clairs. Ils sont pas noirs, noirs. Hein. Donc. Utilise. Et puis ça c'est des cartes. Ouais d'accord, ok. Mais oui, il va falloir que je l'entame, ce petit livre. Et elle m'a pris aussi j'allais le prendre si on me le prenait pas à Noël de toute façon. Ça fait trop longtemps que j'en ai envie. C'est le Witches de Coco Wayo. Voilà. C'est le papier qui me freine, hein, clairement. Donc je pense que je vais le scanner. Après je vais tester des feutres à alcool dedans. Je verrai bien ce que ça dit. Mais ici, je succombe au pastel. J'achèterai un autre kit OU. Mais voilà, je vais tester les pastels dedans. Mais celui-ci, ça faisait un moment qu'il me faisait envie. Il est vraiment très, très, très beau. Voilà, mais le papier est à chier. Voilà. Donc, merci, ma sœurette d'amour. Je te n'aime. Et Doudou, je savais pas trop quoi prendre cette année, franchement. J'étais pas vraiment dans le mood fête de toute façon. Donc bah, on est allé à Martel et j'ai été chercher quelques petits trucs pour le colo. Donc je me suis pris
l'encre PBO Colorex, la blanche, voilà. On en entend beaucoup parler. Je voulais la tester, voir s'il était vraiment différente de la Winsor & Newton. Donc, il faut que je teste ceci. Je me suis pris un petit Pentel hybride, le gold, parce que je ne l'avais pas. Il va falloir que je me note ce que j'ai et ce que j'ai pas pour les prendre. Enfin, ce que j'ai surtout, pour me prendre de temps en temps ce qui me manque. Hop. J'ai voulu tester le liquide de masquage d'Albe parce que j'ai le PBO et j'en suis pas satisfaite. Je l'ai testé et c'est pas ça. Déjà la mine est très grosse, voilà, donc pour les détails c'est pas ouf. Ensuite le produit est jaune et jaune fluo, voilà, donc soit vous voyez bien où vous avez mis du produit. Le souci, c'est que ça laisse un film jaune. Ça reste jaune, un petit peu jaune sur votre colo, quoi. Donc, c'est pas terrible. Et ça m'a arraché aussi le papier. Voilà. Donc, je ne valide pas. Et je vais me commander le schmink. Voilà. Parce que, voilà. Et ensuite, il m'a pris une petite palette Van Gogh. Je sais pas son nom. Je ne sais pas si elle a un nom ou pas, mais bon, c'est celle avec les métalliques. Donc on a le or, le cuivre, le bronze. Et vous avez les blancs nacrés. Vous le voyez en surbrillance du coup. Voilà. Donc il m'a pris celle-ci. Là, je m'étais fait un nuancier, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. D'ailleurs, je me suis fait des nuanciers. Il faut que je les plastifie, tout ça, tout ça. Mais... voilà pour cette palette qui a rejoint ma collection. Et oui, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes nuanciers que j'ai commencé et qu'il faut que je plastifie. Je suis douée, moi. Je suis très, 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 très douée. C'est tellement... Ah, je me suis fait, du coup, le nuancier de mes Paul Rubens Néon. Voilà. Et ça, c'est la palette Van Gogh. Voilà. Mais j'ai vu sur le colo que j'ai mon cuivre qui se détache de mon colo en fait. Donc je sais pas trop quoi en penser. Hein ? J'ai trouvé ça bizarre. Enfin bon bref. Voilà pour les derniers petits bébés arrivés à la maison. Donc il va falloir que je m'occupe maintenant. Donc je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez reçu pour Noël. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Plein de bisous.